Il a le choix. Moi. Il s'appelle comment ton animal? Gucci. Tu sais que j'ai fait un compte Instagram avec Racotte. T'es pas abonné à lui? Non, pas encore. C'est sérieux? Ta peluche là? C'est pas ma peluche, c'est mon chat en fait. Le noir? Bah oui, le noir. Moi, je savais même pas qu'il s'appelait Cracotte. Bah si, ça s'appelle Cracotte. Bah d'ailleurs, si vous voulez vous follow à Cracotte, c'est Mister Cracotte. J'ai trois chats. J'ai un chat qui s'appelle Gucci, un chat qui s'appelle Monsieur Chat, un chat qui s'appelle Curtis. Et Monsieur Chat? Ouais. Non mais t'as aucune originalité. Un petit chihuahua de ma mère qui s'appelle comment? Maya. Ouais. Tu le connais bien? Parce que t'as peur de le connaître. On est fou un peu. Hein. Chier. Allez, tous les chiens, ils vont te follow des réseaux. Fais attention à ce que tu as dit, Brigitte Bardot est là. Bah franchement, non, je m'en fiche un petit peu de mes animaux. C'est pour ma mère, c'est pour ma mère. Moi. T'as pas de cœur. C'est pas ça, c'est que à part mettre des poils, ils font rien, donc... Mais tu leur fais pas du mal. Non, jamais. Ah ouais, tu me dégoûtes. Je vais en manger, je leur fais des caresses aussi, des fois. Mais ils veulent des paillettes dans leur vie, Quentin. C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin? Arrête. Moi. Mais ça, c'est Nathania fort. Bah oui, toujours. Oula, attends, quoique je suis en train de te rattraper, on dirait, non, parce non. que là. T'as qui toi? Moi, j'en ai vraiment des tonnes. Non, moi, c'est pas des ennemis, c'est des gens qui me détestent. Qui ont seum de moi. Bah oui, bah moi aussi. Ouais, je pense que c'est toi parce que. Moi, j'ai le compte là. Hein. Plus d'interviews, plus de trucs où elle a pu plus m'exprimer. Ouais, Ilan, Maëva Guéna, Maurice de Tremont, Julien Guirado, Pépin. Il a le choix. Non, mais il y en a trop, j'arrive même bien à faire les comptes. Bon, elle a toute la liste. Hein. Moi, j'ai pas d'ennemis, moi. J'ai pas d'ennemis en soi. J'ai pas d'ennemis, c'est des gens qui veulent peut-être faire un petit peu les détracteurs. Nope. Mais tu sais que c'est quelqu'un qui m'a envoyé ça. Détracteurs, les détracteurs. Mais moi, personnellement, ça va, j'ai pas d'ennemis. Mais c'est quelqu'un qui m'a envoyé, il a de chance, ça m'a fait trop rire. Ouais, mais ça tourne beaucoup, ça. Ça m'a fait trop rire. J'arrive plus à l'appeler Hilary maintenant. Ouais, c'est vrai. Ça lui va mieux. Bah moi j'ai pas vraiment, bah il y avait à l'époque, mais on peut pas appeler ça une ennemie, c'était l'IA. Traite-moi encore une fois de sorcière et tu vas voir ce qui va se passer. Sorcière. Ah, mais c'était pas une ennemie, c'était un petit... Je la compte parmi. Voilà, une petite rivale, elle a essayé de faire un petit peu la rivalité, mais voilà, on l'a très vite oublié et puis elle a servi à rien. Donc en soi, je peux pas considérer des gens comme ennemis alors qu'ils sont pas vraiment dangereux, potentiellement dangereux. Après, il y avait aussi Ilan, mais c'est pareil, c'est du cinéma, c'est pas vraiment des ennemis, c'est des petits... Mais Quentin, t'es qui toi déjà? Déjà que tu fais des notes vocales complètement bidon, frérot. Avec ta Nathania et vous étiez pas en couple, mais nanana, parce que t'as demandé de le faire. Non, Ilan, il avait vite fait parler sur les réseaux sociaux. Alors qu'en plus, si t'avais voulu, t'aurais pu le terminer. Ouais, voilà. En fait, il a essayé de voulu faire un petit buzz. D'après lui, je faisais un buzz sur les réseaux alors que c'était plutôt lui. Voilà, il a voulu faire un petit pic, mais rien de bien méchant. Il est tout mignon, Ilan. C'est un petit nounours, franchement. Un quoi? Un petit nounours. Ah bah, on n'a pas fréquenté les mêmes nounours, hein. Aucun des deux. Tu sais que je voulais faire mon nez. Parce que j'ai. Genre en gros mes narines, regarde mes narines. Pas les mêmes. Tu vois pas? Ah, j'en connais d'autres qui sont comme ça. Ah ouais, regarde. Ouais, mais ça. What the fuck? Ça va, ça choque pas. Ça te choque pas? Non, ça choque pas. On fait pas ton nez après, ça va être moche, il y en a plein, ils font. Non, mais j'ai trop peur de toute façon. Mais genre, du coup, je me suis dit peut-être pour les faire agrandir, je devrais mettre une pince. Mais un briquet? Je vais essayer. J'ai déjà réussi. Bon. Ah ouais? Ça s'agrandit vraiment? Non, mais j'ai des grosses narines. T'en as combien? Bah toi, je pense. Je pense que c'est moi. Bah oui. T'es combien d'ex? Pas beaucoup. C'est-à-dire? Ouais, entre 50 et 80, tranquille. Des ex? Non. Non, je sais que moins que 10. Moins de 10? Moins de 5? Non, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que les erreurs, ça compte? Bah toi. Craquer, tout est relatif. Craquer, c'est un bien grand mot. J'étais en relation avec une candidate. Mais t'as craqué pour elle. Bah, craquer, non. Craquer, pour moi, c'est vraiment coup de foudre. Non, c'est genre craquer, un petit craquage. Genre, c'est comme quand tu le sors, tu vas manger une tablette de chocolat. Nope. T'as craqué. Ouais, bah là, t'as cédé, t'as craqué. Une craquinette, alors. Une craquinette, quoi. Une craquinette de tablette. Ouais. Bah ouais. Ah, merde, mince. Ouais. T'es sûr? Enfin, je sais pas. Moi, j'en connais une autre. Bah, peut-être qu'il y en a une autre, on verra bien.
Moi. Où ça? Moi, plein de fois. Bon, en fait, tu vois, il y en a eu deux. Une fois qu'on était dans les Anges, dans le jacuzzi, je voulais m'embrouiller. Genre, tu sais, quand je suis partie parler avec Toto, je suis revenue, je voulais faire la meuf vénère, je suis laissée en arrière. Une dans les Marseillais, pour un truc de ouf, on m'a coursé avec des poivrons, ça m'a traumatisée et je suis tombée dans la piscine. Ah, la peur des poivrons. C'est ma phobie. Et toi? Bon, bah, c'est elle, je pense que la palme de la chute, c'est elle. Parce toi, que je moi, t'ai jamais vu tomber. En tournage, non, j'ai pas eu de. On est plutôt. Bien assis sur nos appuis, donc ça va. Ouais, ça va, hein. Moi, je suis tombé plein de fois quand j'étais petit. C'est peut-être pour ça que t'es comme ça. Ouais, peut-être un peu. Ma tête, elle a dû cogner plus d'une fois par terre. Ah, ça. Même au ski, je me suis arraché et tout, la tête plusieurs fois. Tu sais qu'en plus, à ton âge, les neurones, elles se multiplient plus, genre. C'est fini pour toi. Bah voilà. Je préfère être la musique. Merci. Ah, mais moi, j'ai eu que des histoires d'amour catastrophiques, hein. Donc, ma vie est amoureuse est un fiasco. Genre, si je devais donner un nom à mes histoires amoureuses, je dirais le Titanic. Ça coule, quoi. Toi, alors, forcément. Ça peut que être toi. Oh, non, c'est sûr que t'as des meilleures histoires d'amour que moi. Ouais, ça doit être elle. Mais après, moi, j'étais petit. J'étais grave petit. Ça fait super longtemps que j'ai pas eu de relation. Donc, ça s'était bien passé. Ouais, ça va. Après, voilà. On était un peu jeunes. Donc, forcément, on faisait un petit peu de bêtises. Voilà, t'as déjà trompé tes meufs? Non. OK. Oh, ça avait pas l'air sincère. Non, bah, un peu. Mais on était petits, bref. Bah, moi... Pourquoi? Bah, excuse-moi, t'as vu ma chute dans mon dire, s'il te plaît? Genre, c'est même pas moi qui suis tombée sur la poudre, c'est la poudre qui m'a pris. Ah oui, genre... alors cette chute. Excuse-moi, mais là. Incroyable. Il n'y a plus de respect, d'ailleurs, quoi. D'ailleurs, t'en as jamais parlé, t'as dû te défoncer. Mais ce qui est sympa, c'est que je suis allée à l'hôpital et tout, genre. Oh, genre, moi, je me suis relevée direct après, mais j'étais à l'hôpital et tout, j'avais trop mal. Et cette chute, elle était hardcore hein, quand j'ai dit ça. Mais elle est ridicule. J'étais mort de rire. T'as vu tous les montages, genre. Moi, le jour de la rentrée, j'étais morte. Ah, c'est. Bah, moi aussi, pas mal quand même dans mon aventure dans les Anges. Ouais. Pas ridicule, je dirais pas ridicule, mais un petit peu trop. Effacé par rapport à la réalité. Tu vois ce que je veux dire? Donc, forcément, un petit peu. Okay. Un bouffon, quoi. Ouais, je comprends. Pour dire les mots. Jamais. Voilà, classique. Non, tu me connais. Que des sacs, c'est mes placements de produits ou des petits sacs que je vais acheter en boutique, mais jamais des sacs de marque. Je pars du principe qu'un vêtement de luxe, c'est un voyage. Faut y penser, les gars. Tu vois? Ouais. Pense-y. Tu peux faire les deux aussi. Aussi. Ou tu peux faire plus de voyages. Bah, moi, hein, pour le coup. Ouais, toi. J'ai acheté un peu vite fait des trucs. Des pourquoi trucs. Tu mens? Si, un peu. Non, t'as pas dit. Non, pas un peu. Si. Non. Bah, j'ai déjà acheté tu un mens. Peu. Un petit SMIC. Voilà. Ça devait être 2 400 €. Oh, calme. Dans un ensemble. Oh, non, mais c'est calme. Pas non plus 10 000 ou quoi, comme certains sacs qu'on m'a volé dans la caisse, d'ailleurs. Dédicace. Tu vois, c'est ça. Pourquoi je le karma. Achetez pas de trucs chers, on va vous les voler. Voilà, alors qu'un voyage, on ne te le volera pas. Ouais. Gucci. Gucci. T'aimes trop Gucci, toi. Gucci gang. Disparu. Oh, ah, la oui. Base. Ah, mais ça, c'est obligatoire. Mais la base. Ça, c'est obligatoire. Face food. Tu sais que j'ai trop envie d'un KFC, en plus. Tu prends le gros bucket, les ouais, glaces et tout, ça va trop vite. C'est vrai que ça va vite. Ça va trop vite. KFC, ouais. Moi. Je présenterai le mien après. Bah, au boulot de mon ex, mais genre, il y avait tout le monde derrière la porte. Désolée pour tous ceux qui le savent, du coup. Voilà. Piscine, jacuzzi, forêt. J'ai jamais fait dans l'eau, ça doit faire bizarre, non? Campagne, ouais, ça fait des trucs bizarres un peu. Ah ouais? Ouais. Genre, c'est... Bah, du coup, quand tu sors, tu perds les eaux, quoi. Moi plein. Ouais, moi aussi plein. Ah ouais, plein. Ça c'est le résumé de ma vie. Hein. Ouais. Après, c'est pas regret parce que t'apprends forcément. Non, j'apprends pas. Franchement, il y a des choses j'apprends. Vaut mieux pas apprendre. Ah ouais, il y a des peines qu'on veut trop éviter, ça sert à rien. Des merdes qu'on peut s'éviter, donc ouais, à éviter. Faut réfléchir à plusieurs fois et surtout le temps. Avant de se rapprocher de quelqu'un, prendre le temps de voir si la personne est pas là pour les mauvaises raisons. Moi, j'aimerais bien changer de voie, mais pas pour l'instant. Ouais, moi aussi, plus tard. La suite, c'est la suite, mais là, pour l'instant, je vais faire encore un petit peu de télé, c'est cool. C'est moi, cool. Ça m'amuse. Ah. Tu sais, moi, il y a un problème que j'aimerais moi, trop faire. Moi, je déjà fort. Moi, je sais ce que t'aimerais trop faire, parce que je te connais. Moundir, c'est trop fait pour toi. La base. Mais tu défoncerais tout. Sauvage, je vais gagner. Je pense que c'est pour ça qu'ils vont pas me prendre, parce qu'ils savent déjà que je vais gagner. Ils savent que tu vas gagner, c'est sûr. Trop dangereux. Et moi, j'aimerais trop faire Top Chef. Genre, c'est mon vrai rêve, genre.
C'est mais, trop beau de faire manger. Faut non, mais il faut savoir que moi, je regarde Top Chef en streaming, genre comme une série Netflix. Ah ouais, carrément. Je connais toutes les saisons par cœur, genre. C'est trop ma vie. T'aimerais faire Top Chef. C'est toujours, c'est mon rêve. Et être dans l'équipe. Ouais, bah, fais pas un jour combien de fois j'ai fait à manger. Ah non, pas toi. Non, non, mais je fais à manger. Genre, juste pour être dans l'équipe de Michel Sarran. Oh, c'est trop mon bébé, lui, je l'aime trop, avec son petit accent du sud. La Croix, qui n'était pas président à l'époque, m'avait demandé de prendre en main un petit peu ce restaurant. Piment d'Espelette, j'aime trop. C'est le chauve, là. Mais n'importe quoi, lui, c'est le chebest. Ah. Oh, moi. Ah ouais? Bah, classique. Moi, j'ai déjà volé des fruits. Tu pourras m'apprendre? Ah non, puis maintenant on fait s'il pas. S'il te plaît. Non, non, c'est non bon. Mais on fait pas ça à Paris, on fait ça ailleurs. Mmh. S'il te plaît, Quentin, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Mais avance pas pareil. Faut... Allez, s'il te plaît, je veux être une thug. S'il te plaît. C'était le. C'est genre, tu vas fumer une clope ou quoi. Et tu te casses. Et tu cours. Après, des fois, on se faisait courser par les serveurs et tout. Mais bon, ça arrive à tout le monde, je pense. Et tout le monde l'a déjà fait. Moi, j'ai déjà volé plein de fruits chez le primeur. Voilà, c'est la même chose. Mais j'avais pas d'argent, moi. Je savais pas comment manger, donc je volais tous les fruits tout le temps.